Search and destroy. Bomb acquired. Clear the objective. L'heure est grave les amis, l'heure est grave. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui on va se retrouver concernant une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. D'ailleurs vous aurez en gameplay de fond un gameplay sur Fringe en mode nuit, nucléaire, etc. Enfin bref, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est vraiment très important sur Call of Duty carrément en général et même sur Call of Duty Black Ops 3. Donc si tu as bien pu voir le début de cette vidéo là, tu as pu remarquer que désormais le hack est disponible sur PlayStation 4. Alors ça fait extrêmement peur et pourquoi je dis ça, parce que je vais devoir parler de pas mal de choses. D'ailleurs dans cette vidéo là, je vais @ Activision. Et chaque fois que vous allez liker ou partager cette vidéo, Activision sera au courant. Pour qu'il soit au courant de cette chose. Et je pense que c'est super important pour tellement d'éléments que j'ai apportés dans cette vidéo-là. Vous savez que récemment, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo où je parle de Modern Warfare 4, je joue essentiellement au... d'anciens Call of Duty. En ce moment je joue à Modern Warfare 3, je joue à BO2, je joue à BO1, je joue aux anciens Call of Duty. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est injouable. J'ai essayé Modern 3, ça allait encore. Modern 3 c'est une partie sur 3, il y a un hacker, donc ça va encore, t'as le temps de déguerpir, etc. Et puis encore, il y a certains hackers qui ne font rien. Tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent d'autres hackers. Ça veut dire que des fois, en plein milieu de game, il y a du hack, et puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Et c'est, on voit toujours le même mec, etc., mais il bloque l'accueil, et il n'y a pas de aimbot, il n'y a rien, etc. Donc ça va, ce genre de hacker, c'est pas trop dérangeant, et je préfère en fait ce genre d'accueil-là, où des personnes carrément peuvent hacker le jeu, et tout simplement bloquer les lobbies pour empêcher d'autres hackers de venir, et qu'on ait des parties totalement normaux, enfin, des parties normales plutôt. Et ça, c'est plutôt assez cool. Donc là-dessus, ça va encore. Mais comme vous avez pu voir, maintenant, sur Call of Duty Black Ops 3, il y a déjà du hacking. Alors certains vont me dire, ouais, mais Locked, dans mon souvenir, t'as déjà sorti des vidéos où tu parlais des hacks, etc. Le plus gros hacker de Black Ops 3, etc., etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait deux parties, parce que je sais que j'en ai fait deux ou trois. Il me semble que sur les trois, j'en ai fait deux sur PlayStation 3 et une sur PC. Alors déjà, la première des choses, c'est que sur PS3, c'est fini. Il faut vous dire que moi qui joue aux anciens Call of Duty, c'est fini. Ça veut dire que tout le monde peut hacker, etc. Enfin bref, avoir des codes menus, c'est fini. PS3, c'est fini depuis large longtemps. Au bout de quoi, deux ou trois mois, je voyais déjà des personnes qui avaient déjà limite hacké le jeu, etc. Donc PS3, c'était déjà mort. Je veux dire, c'était déjà mort. Et ensuite, sur PC, c'était du mode tools. Donc, c'est pas trop dérangeant parce que c'est pas du multi. Ça veut dire que toi, par exemple, sur PC, tu lançais ta game, etc. Bah, tu tombais pas face à un hacker. C'était du mode tools, etc. Donc, c'était pas trop dérangeant. Mais maintenant, on est là sur carrément BO3 et sur du multiplayer. On est sur du multiplayer, les potes. Et ça, ça fout les boules. Vous imaginez, je sais pas, demain, t'es en train de jouer à BO3 et tu vois déjà un mec hacké sur PlayStation 4. Non, mais. Ça va être quoi après? Je veux dire, à la base, j'avais déjà vu un clip, c'était sur Ghost PS4. Je dis Ghost PS4, bon, le jeu, ça fait depuis un certain moment qu'il est là, mais attention, il est déjà là sur PS4, donc sur PS4, c'est quand même assez récent. Puis il y en a certains qui disaient, ouais, justement, faut faire attention, parce que s'il y a déjà ça sur PS4 pour Ghost, dans quelques mois, ou même quelques semaines, ça sera même disponible sur Call of Duty Black Ops 3, ou même d'anciens Call of Duty, genre Advanced Warfare sur PS4. Pas sur PS3 de nouveau, et on tombe de nouveau quoi au bout de 2-3 semaines, boum, BO3 possible à hacker sur PS4, et ça fait peur. Et pourquoi j'ai @Activision dans cette vidéo là et que je compte sur vous également pour liker cette vidéo là, c'est que on ne veut absolument pas que ça arrive. Je veux dire, moi maintenant, quand j'essaye de jouer à BO2, que j'essaye de jouer à MW3 ou à BO1, qui sont mes Call of Duty favoris, BO2 c'est le Call of Duty que je préfère,
Je veux dire, si à l'heure actuelle on te donne, on dit vas-y, tu joues un Call of et tu dois jouer sur une île, ouais, t'as droit qu'un Call of Duty, mais je dis je veux BO2, je veux BO2. Et à l'heure actuelle, je peux même plus jouer tranquillement à BO2. Je peux vous dire que j'ai joué aujourd'hui 3 heures, j'ai pu faire que 4 parties, sachant que je voulais vous en faire une vidéo, bah, je vais devoir attendre le week-end pour vous faire une vidéo live, etc., pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte à quel point c'est horrible. Mais c'est fou, c'est que, bordel, si j'ai envie de reprendre le plaisir de jouer à Call of Duty, que j'ai envie absolument de passer du temps sur un Call of Duty que j'apprécie, comme Call of Duty Black Ops 3, je dis tiens, c'est que du Call of Duty terre à terre, j'ai peut-être envie de refaire du jetpack. Allez hop, je retourne sur BO3, et tu retournes sur BO3, il y aura full hack. Et ça, je trouve ça pas vraiment très juste à l'heure actuelle, et je pense que ça devrait vraiment être bloqué, et que Activision ne devrait plus délaisser les anciens Call of Duty. Ou devrait faire un patch, un énorme patch, pour dire, ok, donc c'est à cause de ça, tel ou tel endroit de sécurité, je peux pas jouer tranquillement à Black Ops 3 parce que tel ou tel hacker, comment il fait, etc., et tu bloques. Je veux dire, sur PS4, on nous disait, ouais, ça va pas être hacké, etc., vous inquiétez pas, c'est bien protégé, etc. De quoi? De 5 ans 5 ans, c'est déjà hacké. Je veux dire, on va devoir s'attendre à quoi sur Call of Duty Black Ops 4? Non, parce que pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'il y avait déjà le hack sur PS3, il y avait déjà des gens qui avaient déjà le God Mode hein, sur PS3, Black Ops 2, au bout de la deuxième année. Call of Duty Ghost, au bout de quoi? C'était au bout de 2 mois, il y avait déjà du hack. Il y avait déjà des gens qui avaient full atout, qui étaient invisibles et qui avaient certains avantages. Au début de jeu de Ghost, il y avait vraiment déjà des hackers. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque Call of Duty Black Ops 4 va sortir? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le prochain Call of Duty Modern Warfare 4 va également sortir? Ça va de nouveau être la même chose, avec des problèmes de sécurité, des problèmes ainsi. Je veux dire, j'aime Call of Duty. Je suis quelqu'un qui est fan de la licence de Call of Duty, qui a acheté un jeu pour pouvoir y jouer. Mais si demain on te dit, bah écoutez, il y a déjà full hacker sur TO3, ou qu'il y a full hacker sur MW4, ou qu'il y a full hacker sur, je sais pas moi, Call of Duty Ghost sur PS4, je dis, c'est chiant quoi, j'ai envie de dire, j'ai acheté un jeu, c'est pour y jouer quoi, tu vois ce que j'essaye de dire. Donc j'aimerais vraiment, et je compte également sur vous, de faire partager ce message, voilà, on le partage à Activision, pour qu'il fasse quand même quelque chose qui protège absolument ces Call of Duty là, parce que même si BO3, peut-être que bientôt dans 3 ans il y aura la PlayStation 5 et on va se dire ouais mais c'est pas grave, il y aura d'autres bons Call of Duty, on s'en fout. Je veux dire, BO3, voilà, c'est un bon Call of Duty, c'est un Call of Duty que j'ai beaucoup apprécié, et je trouverais ça vraiment dommage qu'il soit délaissé par ce genre de communauté, et se dire mais putain bordel, je peux pas balancer, je sais pas, un gros coup de stick en jetpack ou faire ci ou faire ça. Et voilà, moi je trouve ça extrêmement dommage. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, sur BO2, c'est impossible pour moi de jouer pour le moment. Donc je vais peut-être attendre le week-end pour qu'il y ait plus de monde qui joue et que je puisse vous en faire une vidéo. La même chose pour MW3, hein. MW3, quand je vous ai sorti le gameplay, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 soirées dessus pour au final faire un bon truc. Et puis des fois, ce que je disais avec mon pote, c'était bon, écoute, il y a des hackers, je vais attendre une heure parce que ça m'énervait tellement. Je disais putain, il me casse les couilles, c'est un peu relou. Bon. Désolé hein, pour l'expression, mais bon, je pense qu'à un moment donné, tu comprends, c'est qu'à un moment donné, il faut voir full hack, c'est chiant. Et puis, quand on voit du mode tools, enfin, bah, du mode tools, c'est bon, c'est sur PC, quoi. Je veux dire, c'est pas du multiplayer, c'est une partie privée, etc. Et c'est pas trop dérangeant, mais que cela arrive en multi de BO3 sur PS4, c'est chiant. Je veux dire, c'est chiant parce que en soi, on paye surtout aussi, hein, on paye pour jouer, je veux dire. On a un abonnement PSN, donc si on a un abonnement PSN, c'est qu'au moins les serveurs soient bien protégés. Je veux dire, si tu payes 60 balles par année, c'est qu'au moins tes serveurs sont protégés. Je veux dire, j'ai de nouveau prendre l'exemple typique de Warcraft. Eh mais mec, tu payes 10 balles, tu vas voir s'il y a un mec qui va hacker. Et il y a un mec qui hack, au bout de 2 jours, c'est tu dégages. Tu fais dégager, t'es dans la merde, tu peux plus jouer. Bon, après, si tu prends un VPN, tu protèges ton IP, etc. Ok. Mais même, je veux dire, t'as fait une connerie, dégage. Bye bye, merci, au revoir. T'as fait le con, t'as voulu jouer au con, tu dégages. Et ça, c'est vraiment ce que Call of Duty devrait faire et protéger beaucoup plus son jeu, je pense. Donc c'est pour ça. @Activision, je compte sur vous également pour liker la vidéo, pour la partager, parce que vraiment, c'est quelque chose qui devrait être totalement banni à l'heure actuelle.
Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que voilà, on essaye de faire un peu bouger ça parce qu'ils ont fait des conneries sur PS3 et j'aimerais pas de nouveau. Et je pense que c'est également votre cas que ça arrive de nouveau sur PlayStation 4. Voilà les gens, c'était Loctet. Moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.